À la demande de mon amie Natalia, je vous présente une recette de brioche. Une brioche très moelleuse, parfumée aux agrumes et à la fleur d'oranger, la mouna. Voici les ingrédients. Il vous faut d'abord un sachet de levure de boulanger ou 20 g de levure fraîche, 125 g de farine et 150 ml d'eau tiède dans laquelle on peut avoir fait infuser préalablement de l'anis. On mélange ces trois ingrédients et on laisse lever une demi-heure. Vous aurez aussi besoin de 375 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, 3 œufs, 125 g de beurre fondu refroidi, 50 ml d'eau de fleur d'oranger, de rhum ou d'anisette selon vos goûts, un zeste de citron, un zeste d'orange, le jus d'une moitié d'orange, 100 g de sucre, du sucre perlé pour la décoration et un jaune d'œuf. Concernant le matériel, je vous recommande fortement l'utilisation d'un robot pour pétrir la pâte. Je l'ai fait à la main, mais la pâte colle tellement que ce n'est vraiment pas évident. J'utilise aussi un ou deux moules à manquer selon la taille de la brioche que je veux faire. Avec les proportions que je vous ai données, j'ai préparé une petite mouna dans un petit moule à manquer et une plus grande dans un moule à manquer de taille standard. Dans un grand saladier, je dépose la farine. J'ajoute les œufs, le beurre, les zestes de citron et d'orange, le jus et le sel. Je mélange. J'ajoute ce qu'on appelle ici le levain, c'est-à-dire le mélange d'eau, de levure et de farine qu'on a fait au début. Je mélange bien. Maintenant, si vous avez un robot puissant, c'est le moment de l'utiliser pour pétrir. Sinon, vous pouvez le faire à la main, c'est juste très collant. Pour vous faire oublier cette galère, pensez à la délicieuse brioche que vous allez obtenir, ça aidera. Je laisse lever 6 heures à température ambiante dans un grand saladier, car la pâte va beaucoup lever. Vous voyez, chez moi, ça a même débordé. Au bout de 6 heures, j'étire à nouveau la pâte et la replie sur elle-même, et je la dépose dans mes deux moules. Je laisse lever 1 heure, je préchauffe le four à 180 degrés, j'enduis la brioche de jaune d'œuf et de sucre perlé. Je fais des grignes au ciseau pour obtenir une brioche aux formes harmonieuses et j'enfourne pour une vingtaine de minutes. À vous de jouer maintenant et vous verrez, vous allez vous régaler. La recette est terminée, mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Alors, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube et être informé de mes nouvelles vidéos, vous cliquez dans le nounours. Et si vous voulez découvrir une autre recette de brioche, ou plutôt de petit pain brioché, vous cliquez dans le rectangle. À bientôt !